Alors, nous allons analyser le mécanisme de la fenêtre lorsqu'elle est fermée et lorsqu'elle est ouverte. Donc ici, la fenêtre est ouverte. Pour fermer cette fenêtre-ci, nous avons un loquet rouge ici qu'il suffit de descendre. Lorsque nous le descendons, un cran sort en dessous. Alors, et il doit s'enclencher dans cette partie-ci. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, cette fenêtre est fermée. Sur cette fenêtre-ci, nous avons trois crans, un en bas, un au milieu et un en haut. Lorsque nous descendons la poignée, l'écran monte. Et en dessous, nous avons un autre cran qui va vers la gauche et qui se fixera juste là, sur cette partie-ci, ce qui bloquera la fenêtre. Et donc, elle ne bouge plus. Ensuite, la fenêtre, lorsqu'elle est ouverte, les trois crans sont au centre et le cran du dessous est également au centre, donc juste ici, ce qui permet d'avoir la fenêtre en mouvement et de pouvoir l'ouvrir et la fermer. Sur cette fenêtre-ci, il suffit de lever le loquet pour l'ouvrir.